Par Michael Metzger. C'est 64 temps avec une finale additionnelle. Donc c'est A et B, chacun c'est 32 temps. Donc je vais commencer avec le B parce que la danse commence avec le B. Donc c'est un 32 temps pour le B. Je vais vous le montrer. Donc le poids est sur la gauche. On va faire un kick ball point, kick ball point, kick ball point, kick ball point. Ensuite, on fait la même chose, mais avec un jeu de bras. Kick, ball, point. Et ensuite, on va faire un kick, ball. Et on lève le bras droit et le bras gauche. Ensuite, on va faire sur deux comptes. On va descendre les bras. Ça va faire 5, 6. Et ensuite, on va faire deux chocs vers l'avant. 7, 8. Ensuite, on va faire des chocs demi-tour. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire un stomp de côté et ce qu'on appelle tirer une bouteille de, ouvrir une bouteille de vin. On va tirer avec le bras de gauche vers le haut. Ensuite, on va faire un hitch. On recule et on glisse pour faire un flick. Ça, c'est le B. Je vais vous le montrer sur les comptes. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 et pause. 5, 6, 7, flick. Et maintenant, je vais vous montrer le A. On aurait fini le B avec un flick. Donc, le A, ça va faire un shuffle avant, step, swivel vers la gauche, coaster step, step, pivot, ou tour militaire. Ensuite, on va faire step, quart de tour, arrière, quart de tour vers l'avant. Et ensuite, on va faire un shuffle de côté, quart de tour. Pause. Ensuite, on va faire un hip roll dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre avec un flick, pause. Ensuite, on va faire un stomp et stomp et stomp et stomp avec le pied droit et un tour militaire. Ensuite, les prochains pas, on va faire un step en avant, touché à droite, step arrière, touché à gauche. Step quart de tour, kick et un rock step arrière. Et c'est la fin du A. Maintenant, on va faire le A sur les comptes. Poids sur la gauche. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, pause, 7, 8. 1, 2 et 3, 4 et 5 et 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et maintenant, je vais vous montrer la finale. Donc, le poids est sur la gauche. On va faire un carré jazz, demi-tour. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un rocking chair, donc un rock step avant, un rock step arrière. Et ensuite, ça va être un tour militaire, tour militaire. Et sur deux comptes rapides, on va faire un tour complet et finir la danse comme ça. Donc, sur les comptes, la finale, ça va être comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, un petit ajout. Dans la danse, il y a un tag. Le tag va se faire comme ça. Poids sur la gauche. On va faire un stomp, pose, stomp, pose, stomp, 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 stomp. C'est le tag. Et sur les comptes, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a aussi un pont dans la danse. Donc le pont, c'est quand on va faire nos chugs. On va les faire deux fois. Donc, dans le B, quand on arrive à faire les chugs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va les refaire en pont pour une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais vous montrer aussi le jeu de bras qu'on fait dans le B. Donc, quand on fait un kick et croise, ce qu'on va faire dans le kick, on va croiser les bras sur les épaules. Quand on ramène le pied, on ramène les mains sur la même épaule. Et ensuite, quand on va faire le pointé, on va descendre les bras. Donc, ça va faire 1 et 2. Et l'autre, c'est quand on va faire tout de suite après, on va faire 3 et 4 et. Et ensuite, on descend avec les jazz hands, 5, 6, 7, 8. Alors là, c'est vraiment tout. Bonne chance, puis courage tout le monde. Merci.